à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course Intermarché. Donc, le budget, il est dépassé. Hein. C'est monsieur qui a été, normalement, il était parti pour pas grand-chose. En fin de compte, il m'a fait un plein. Donc, on commence par, il a repris de la limonade. Donc, il s'est lâché sur tout ce qui est limonade, boisson. Hein. Franchement, il s'est lâché. Donc de la marque Top Budget, donc elle est à 0,45 centimes. Ensuite, on a repris du sirop comme ceci, la maison Guyot, sirop de mûre Cassis. Donc elle était à 3,54 euros. Ensuite, j'ai repris une bouteille de Coca-Cola. Donc il y a 1,75 litre dedans. Et elle était à 2,04 €. Ensuite, on a repris du sirop comme ceci, de la même marque, hein, la maison Guyot, sirop de cerise griotte. Et la bouteille, bon, c'est des bouteilles de 70 centilitres. Et elle était à 3,31 €. Ensuite, monsieur a repris du pain à hamburger comme ceci de la marque Harris. Il y en a 6 dedans. Et donc, elle était à 2,40 €. Ensuite, je bouge tout en allant. Je vais remettre tout ici, comme ça, moi, je serai mieux organisée. Donc, on a repris des côtelettes comme ceci parce qu'on a l'intention de faire un barbecue. Hein. Donc, ils étaient en promotion à 4,99 € le kilo. Il y en a un kilo 698. Donc, du coup, j'ai payé 8,47 €. Ensuite, on a repris des chipolatas. Donc, de la marque Jean Rosé. Il y en a 18 dedans et j'ai payé 6,99 €. Donc, on en a pris deux barquettes. Ensuite, on a repris une barquette de merguez. Il y en a 12 dedans, pardon. Ils étaient à 7,59 €. Ah non, de l'autre côté, il y en a 12 aussi. Il n'y en a pas 18. Je me suis trompée. Donc là, oui, donc là, il y en a 12 à 7,59 € le paquet de la marque Jean Rosé aussi. On va y arriver. Ensuite, il a repris des yaourts. Donc, attendez, parce que tout est là, donc je suis un peu embêtée. Donc, il a repris des crèmes dessert comme ceci. Donc, il y a 6 chocolats et 6 vanilles de la marque Top Budget. Ils étaient à 2,47 € le pack. Le 12, du coup. Ensuite, il a repris des flans comme ceci. Donc, saveur vanille. Donc, il y en a 12 dedans. De la marque Top Budget et on a payé 1,77 €. Ensuite, il a repris du fromage comme ça, râpé aux trois fromages. Donc, de la marque Pâturage, on a 200 grammes dedans. Et donc, elle était à 1,93 € le paquet. Ensuite, il a repris de la mimolette comme ceci en tranches de la marque Pâturage aussi, il y en a 200 grammes et j'ai payé 2,12 €. Ensuite, il a repris de l'Edam en tranche aussi de la marque Pâturage. Pareil, il y a 200 grammes dedans. Donc, il était à 2,25 €. Ensuite, j'ai repris un pack de yaourt comme ceci de la marque Pâturage, hein, au sucre de canne. Donc, dedans, il y en a 16 yaourts. Et donc, ils étaient à 2,79 € le pack. Ensuite, on a repris deux baguettes comme ceci. Donc, à 0,39 €. Je comprends pas pourquoi il n'a pas pris les locaux. Il y en avait peut-être plus. Hein. Ensuite, on a pris des paquets de marshmallows comme ceci. Donc, il y a 300 grammes dedans de la marque Elodie. Donc, elles étaient à 0,96 €. On en a pris deux paquets. Voilà.
Ensuite, je ne sais pas pourquoi il a pris ça, parce que moi j'ai horreur de l'émental, donc je ne sais pas, peut-être pour lui, peut-être certainement. Donc il y a 20 tranches dedans. Et donc elle était à 2,95€ les deux paquets. Voilà, de la marque Président. Donc croque émental. C'est la première fois que je vois ça. Ensuite, il a repris des deux paquets de jambon de la marque Monique Ranou avec Quen. Donc il y en a 10 tranches dedans. Et donc ils étaient à 5,49€ le paquet. Ensuite, il a repris de la brie que je fais en allant sur le ticket en fait. Donc il a repris de la brie comme ceci de la marque Top Budget. Donc il y en a 500 grammes dedans et donc on a payé 3,20€. Donc elle a augmenté. Ensuite, il a repris un saucisson sec comme ceci, donc de la marque Top Budget aussi, donc 250 grammes. Donc elle était à 1,80€, il était. Ensuite, il a repris des lardons fumés comme ceci. Donc il y a 300 grammes dedans. Et donc les lardons étaient à 2,23€. Ensuite, on a repris des soupes. On n'en avait plus. Hein. Donc on a repris la crème asperge de la marque Knorr. Donc elle était à 0,88 centimes, on en a pris deux, du coup j'ai mis là. Et ensuite on a repris pour les enfants, hein, la soupe tomate au vermicelle. Et donc il était à 0,39 centimes. Ensuite on a repris du fromage Saint-Augustin de la marque Pâturage. Et donc elle était à 2,62 €. Ensuite, monsieur a voulu se prendre un pack de panaché de la marque Top Budget. Il aime bien boire ça une fois de temps en temps. Il rajoute de la limonade, bien sûr. Donc, elle était à 2,38€ le pack de 10. Ensuite, on a repris des œufs. Donc, je vous l'ai fait voir, mais j'espère ne pas avoir de commentaires. Faut prendre des œufs en plein air, faut ceci, faut cela. Mais au prix des œufs, franchement, on prend les moins chers. Donc, et en plus, étant donné qu'on est à 4 et que je fais beaucoup de crêpes, beaucoup de choses comme ça, il m'en faut pas mal. Donc, il a repris deux packs d'œufs comme ceci. Hein. Il y en a 30 dedans, donc c'est des œufs frais. Et donc, le paquet est à 4,50€. Et pour finir, il a repris des gâteaux comme ceci à la vanille. Donc, c'est des goûters croque. Et ils étaient à 1,34€. Alors, c'est sûr que c'est pas moi qui ai fait les courses puisqu'il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas de laitue, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de concombres. Bon, les carottes, j'en ai. Mais voilà. Donc, voilà pour le retour de course. Donc, j'en ai eu pour un total de 103,35€. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose pour le prix. Bon, on a de la viande quand même, donc on va pas se plaindre, mais c'est vrai que ça devient énorme. Donc, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao !